Salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, merci. Comment je t'appelle? Marina. Et toi? Ruby. Quelle origine? Martinique. Et toi? Malgache. Allez, faites un 360 pour montrer comment vous êtes habillés. Oh là là, ici c'est pas là, ici c'est pas là. Sur quelle base vous allez vous séparer du gars si par exemple tous les gars c'est des trompeurs? Comment ça? Répète ta question parce que... Sur quelle base tu vas te séparer de ton mec si tous les gars sur Terre sont des trompeurs? Last Christmas, I give you scrap a bacaca. The very next day, you boom boom brrr boom. Mais non, non, elle, elle abuse. Non. Il va me date, c'est moi, je vais payer, genre. Genre, à la suite, tu vois, ok, mais le premier date, quand même, faut doser. Genre, là, si je peux payer et tout, y'a pas de soucis. Premier date, non. Quand même. Premier date, vous payez après les même deux. Si, même si tu vois, tu me dates au McDo, tu me payes des nuggets quand même. Fais pas le bras, c'est 4€ les nuggets, gros. Oh, et toi? Non, moi, je sais pas, juste s'ils se foutent de ma gueule, genre. Ah si, ouais, si, me foutent de ma gueule ouvertement comme ça, devant toute une île entière. Ouais. Là, non. Là, non. D'accord, là, c'est. Si tous les hommes sont des trompeurs, sur quelle base tu vas te séparer de lui? Voilà. Si tous les hommes sont des trompeurs, voilà. Sur quelle base tu vas te séparer de lui? Wow, très bonne question, putain. C'était tous des menteurs. Tous des trompeurs. Trompeurs, ouais, dans tous les cas, c'était trompeurs. Bah, qui me rab... Genre, que je chope une connerie à cause de lui, quoi. S'il fait que tromper à gauche, à droite t'as et que... Quoi, répète un peu. Ok, bah, si je chope une connerie comme des IST ou quoi que ce soit, genre, à ce point-là, non, ça y est, frère, tu me passes des trucs comme ça, des maladies et tout, je peux avoir des problèmes. Je cherche même pas à calculer. Si tous les hommes c'était des trompeurs, donc qui vont aller voir à gauche, à droite, ouais, c'est marrant. Non. Ok. Je peux pas. Mon gars, viens. Une question seulement. Je vais poser une question. C'est bon, t'as fini avec toi. Bon. Vas-y, mon gars. Dis-moi. Si toutes les meufs c'était des putes, d'accord? Sur quoi tu vas te séparer d'elles? Sur quoi je peux me séparer? Bah, sur la tromperie. Mais je t'ai dit, toutes les meufs c'était des putes. Elles trompent toutes. Voilà, maintenant. Ah, en mode elles trompent toutes? Ouais. Sur quoi tu vas te séparer d'elles? Je pourrais pas te répondre, frérot. Hein. Ah. La tromperie, c'est le pire, tu vois. C'est le pire, mais en tout après, monde, regarde, regarde, c'est simple. Nous sommes dans un monde où tous les meufs trompent. On l'accepte. Mais si, si elle trompe d'où, tu vas pas te mettre avec elle, frérot. Mais non, c'est obligé. Tout le monde, regarde, tout le monde, même lui, on va dire que lui-même, il a une meuf, il la trompe. Moi, je suis une meuf, il la trompe. Mais sur quoi tu vas te, sur quoi tu vas te baser pour te séparer d'elle? Après, c'est fini. Dis-moi. Ah, frérot. Vite. Peut-être les meufs qui parlent mal, tu vois. Si elle te parle mal. Ouais, peut-être les meufs qui parlent mal. Okay. Peut-être. Merci. Vas-y, mon gars. Ouais. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, tranquille. Comment je t'appelle? Rania et toi? Rania, qualité dit. Vraiment, quelle beauté. T'es de quelle origine? Marocaine et toi? Ça, moi, je suis RDC Moka, Mboka Fort. Bien. T'as compris? Bien. Non, mais... Voilà. Où ça? T'es de quelle origine au Maroc? Je suis de Fès. De Fès? Ouais, de allez. Fès. Regarde comment elle a changé la tête. Allez, fais un petit coucou. Et fais un coucou pour montrer ton iFit, s'il te plaît. Comment t'es habillé? 360. C'est pas possible. C'est chaud ici, c'est Paris. Tu viens d'où? Je viens de Bordeaux. Bordeaux. Aïe, 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 c'est chaud. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Une dernière. Dis-moi. Imaginons maintenant que tous les hommes sont des trompeurs dans le monde. Écoute. La plupart. Écoute, la... Non. Dis-moi, en deux ans, t'es dans un monde où tous les hommes c'est des trompeurs. T'es avec un gars qui trompe. On y va. Tu okay. Sais déjà. Tu vois, sur quoi tu vas te baser pour te séparer de lui? Je t'écoute. Un baser. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je me mets pas du tout avec lui. Il y a non, pas de tu sais déjà, c'est un trompeur, t'es avec lui, mais tu sais qu'il te trompe. Sur quoi tu vas te séparer de lui? Sur quoi? Avec quoi? Dis-moi, c'est quoi le prétexte pour que tu te sépares de lui? Mais qu'il voit une autre femme. Mais non, tu sais déjà qu'il voit une autre femme. Ça, c'est... Donc la tromperie, tu enlèves. Sur quoi tu vas te baser pour que tu te sépares de lui? D'accord. Mais alors que s'il me trompe, moi je vais tromper. T'as pas le droit de tromper. Ah, je vais le droit de tromper. Ouais. D'accord. Mais c'est fin. Je veux dire, c'est les gens regardent. Il n'y a pas de. Il faut juste dialoguer, tout ça, et c'est fin. Donc toi, c'est fin parce qu'il te trompe déjà. Comment c'est tu fou. Ben, c'est fin. Ça change rien parce que tu vas pas mettre. Mais attends, écoute. Même si tu changes de mec, il te trompe. Parce que tous les gars trompent. Tu vas te baser sur quoi pour te séparer de lui? Vu que tous les gars sont des trompeurs. Vas-y, dis-moi. Sérieusement? Ouais. Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ah, faut bien réfléchir. Un petit mot? Sérieux? Non, je sais pas.
Parce que si ça me trompe tout ça, je pourrais pas moi. Il y aura pas de couple ou quoi que ce soit. Il y a rien du tout. De toute façon, ça, de toute façon tous les gars ils sont en train de tromper. Mais elle va réfléchir après, mais c'est pas grave. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille et toi? Ça va super. Hein. Comment tu t'appelles? Mam. Et toi? Samantha. Quelle origine? Malgache. Et toi? Sénégalais. Où ça au Sénégal? Dakar. Et toi? Diego Suarez. Ok, faites un petit coucou là-bas. Faites un 360 pour montrer votre outfit s'il vous plaît. 360. 360, montrez votre fit. C'est quoi? Vous êtes. On est à Paris ou pas? On est à Paris ou bien? Allez. Ok. Première question, dites-moi. Si tous les gars c'était des trompeurs, hein? Sur quoi vous allez vous baser pour vous séparer de lui? Son argent. Son argent. Ouais. Son mode. Donc s'il est pauvre, c'est mort, tu vois, t'es séparé. Bah ouais, c'est mort. Il est moche? Non, il est pauvre en plus, il me trompe. C'est faux. C'est mort. Ah ouais, ouais. Bah maintenant s'il a de l'argent, il est beau et il te trompe. Sur quoi maintenant tu vas te baser sur te séparer de lui? Je sais pas, hein. Je sais pas. Son hygiène de. Non, je sais pas. Son hygiène de vie. Ouais, hygiène de vie. S'il met pas de parfum, c'est cuit aussi. Un gars qui a de l'argent, qui se met pas de parfum, tu crois que c'est ça? Eh ben. Tu connais un gars qui est riche et qui pue en même temps? Bah, il y en a, il pue. Et la religion aussi, c'est important. Quelle religion doit être? Bah, musulman. Moi, chrétien, du coup. D'accord. Bon, salut, ça va? Oui, et toi? Ça va, toi? Regarde là-bas. Comment tu t'appelles? Oh. Mariana. Quelle origine? Congolaise. Où ça, Congo? Braza. Où ça, Braza? C'est Braza ou bien c'est... Brazzaville. Ah, Brazzaville, la capitale. Oui. Fais un petit coucou là-bas. Fais un 360 pour montrer ton outfit, s'il te plaît. Hey, c'est chaud. Viens, approche-toi, c'est pas fini. Dis-moi, si tous les gars, écoute-moi bien, si tous les gars c'était des trompeurs, sur quoi tu vas te baser pour te séparer de lui? La tromperie. Tous les gars c'est des trompeurs, sur quoi tu vas te baser pour te séparer de lui? Mais je vais pas mettre en couple avec lui si je tous sais les gars c'est des trompeurs dans le monde. Écoute-moi bien. Mais... tous les gars dans le monde c'est des trompeurs. C'est-à-dire que même si tu changes de gars, c'est un trompeur. D'accord? Mm-hmm. Sur quoi tu vas te baser pour te séparer de lui? Bah la tromperie. Ça peut, ça flotte. Mais moi. Mais je me trompe. Mais il me trompe. Non, mais attends. Mais si, je sais déjà que c'est un trompeur. Dégame, attends. Tous les mecs sont des trompeurs. Quand t'as une vidéo, s'il te plaît, viens. Ouais. Je vais lui poser la question à lui, comme ça il lui va comprendre. Regarde. Si toutes les meufs c'était des trompeuses, sur quoi tu vas te baser pour te séparer d'elle? Ah, lui comme ça, réponds comme ça à comprendre. Ah, sur quoi je vais me baser pour me séparer d'elle? Ouais, si toutes les meufs c'est des trompeuses. Écoute. Ah là 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 là, moi je suis un garçon, je vois pas comment répondre à la question. Ah, mais moi j'aimerais que tu me donnes. Elle a pas compris la question ou comment? Voilà. Moi j'ai compris. Voilà, explique-lui. Genre, toutes les meufs sont des. Voilà. Du coup, sur quelle base? Tu sors avec une meuf, tu sais déjà que c'est une trompeuse. Voilà. Voilà. Bah, tu sors pas avec elle, soit tu sors pas avec elle, soit tu. Non, mais tu sais qu'on va te tromper dans tous les cas, tu peux quand même être en couple avec elle. Tu peux quand même être en couple avec elle, mais tu vas te séparer d'elle peut-être pour une autre raison. Voilà. C'est ça. Voilà. T'as compris là? Ah ok, pour une autre raison. Voilà. Ah. Oui, mais bon, la question aussi, elle est bizarre. Elle est pas bizarre, elle est simple. Je suis désolée. Non, parce que tu me dis, tous les mecs sont des trompeurs. Ouais. Moi, à partir du moment où je sors avec un mec, s'il est décidé, c'est un trompeur, déjà, je vais pas sortir avec lui. Oui, et encore moins si tous les mecs sont des trompeurs. Bah, tu vas faire comment? Bah, je reste célibataire. Tu restes célibataire toute ta voilà. Vie. Voilà. Oui. Oh. On s'est pas trompé ici. Moi, ok. Ok. Premièrement, je voudrais que vous me disiez, je suis tout bonnement consentante de cette vidéo. Je suis consentante de cette vidéo. Voilà, parce que tu m'as fait peur. C'est à côté de toi. Première question, dites-moi exactement. Comment tu t'appelles? Cyrine. Et toi? Chiara. Quelle origine? Tunisienne. Ah bon? Ouais. Et toi? Italienne. Où c'est en Italie? Rome. Et toi? Tunis. Allez, faites un petit coucou là-bas. Et faites à 360 pour montrer votre high fleet. Ah. Ouh là là, ici c'est chaud, nous sommes à Paris, mais des fois nous sommes tombés sur des femmes un peu timides. Là c'est la dernière. Si tous les hommes sont des trompeurs, on y va? J'ai bien dit tous les hommes, tu sors avec un gars, c'est un trompeur, d'accord? Ok, on y va? Ouais. Sur quoi vous allez vous baser pour vous séparer de lui? Sur quoi je vais me baser pour sur sa tromperie? Non. Tu sais déjà qu'il trompe. Là, c'est d'office. Tu sais déjà qu'il trompe. Voilà, sur quoi tout le monde te trompe. Voilà, tout le monde, tous les gars trompent. Moi, je suis un trompeur. Moi, je suis avec une meuf, mais je la trompe. Elle sait déjà. Bah, bon, maintenant, sur quoi tu vas te baser sur pour la séparation? Combien de tromperies par jour? Ah, par jour. C'est que le quota qui peut dépasser. Un. Donc, s'il fait une meuf, ça va? Non, une meuf par semaine. Une meuf par semaine. D'accord. Et toi? Bon, après, ça dépend, tu vois. Non, mais si on parle du principe que tous les mecs me trompent, peut-être je vais partir sur autre chose, genre le respect qu'il a envers moi ou comment il se comporte avec les autres meufs. Genre, d'accord, s'il donne plus d'attention aux autres, moins que toi. Non, mais genre si tu me trompes et en plus t'es un connard, genre vas-y,
C'est bon. C'est-à-dire, dans quel genre, Genre, tu ne me respectes pas, tu me parles mal, ce genre de choses, quoi. Donc, le manque de respect. Ouais. Donc, toi, c'est le quota. S'il dépasse une autre meuf, c'est... Je peux changer ma réponse. Non, en vrai, c'est vrai, pareil, c'est vrai. Enfin, quelqu'un qui... Vas-y, trompe avec des moches, si tu veux. Ah d'accord, il peut tromper même qu'il démoche. Au pire. Ok. Voilà. Et t'es pas en couple. T'es pas en couple. Hein. Voilà, c'est tu trompes, tu fais ce que tu veux, mais tu sors pas avec elle, tu vas pas faire les magasins, tu vas pas au resto, tu vois. C'est qu'avec moi le resto et tout. Ah d'accord, ok. Ok.